Des bénévoles. Heureusement qu'ils sont là. Simplement. Heureusement qu'ils sont là. Parce que sinon, combien il y en aurait qui seraient en train de mourir de faim et de tout dans la rue. C'est dimanche soir, il fait froid dans les rues de Nîmes, c'est normal, c'est l'hiver. Et malgré tout, des bénévoles de la Croix-Rouge donnent à manger et du réconfort à des sans-abri. Je vous propose, dans une maraude, de découvrir le travail bénévole de Samia et de Françoise. Une maraude réussie. Une maraude réussie, c'est celle-ci là. Ouais. Voilà, celle que je vis ce soir là, avec des gens qui nous attendent, qui discutent, qui acceptent ce qu'on veut bien leur proposer. Et ben, quand on a fait ça, je crois qu'on ne peut être que content. Leur apporter un moment de chaleur, de discussion et de se dire que ben voilà, ce soir on a rendu quelqu'un heureux, tiens, comme toi. Oui. D'accord. Ben pour moi, c'est de voir ces personnes contentes d'avoir pu manger ne serait-ce qu'un petit repas chaud et de discuter aussi avec eux et voilà, de créer du lien avec eux aussi. Voilà, unanime, vous voulez souligner la générosité de Françoise et de Samia. Elles sont bénévoles pour la Croix-Rouge. Deux chiffres. Ils sont 50 bénévoles à organiser des maraudes 7 jours sur 7 en période hivernale. Ils servent entre 80 et 120 repas. Alors si vous aussi, vous voulez faire preuve de générosité, sachez que la Croix-Rouge a besoin de couverture. Je vous laisse le numéro, il va s'afficher. Appelez et n'hésitez pas à vous aussi faire preuve de générosité.